Après un baccalauréat économique et social, je me suis inscrite en prépa littéraire parce que je ressentais le besoin d'améliorer ma culture générale. Et donc j'ai suivi des enseignements en philosophie, en littérature qui étaient absolument passionnants. Mais à l'issue de cette année, j'ai quand même ressenti le besoin d'avoir des enseignements un peu plus pragmatiques. Donc je me suis inscrite en prépa droit, économie, gestion à Bessières. À l'issue de 2 années de prépa, j'ai intégré l'École normale supérieure de Cachan. Et au sein de l'ENS Cachan, je me suis spécialisée en droit public et j'ai validé un Master 2 en droit public fondamental à la Sorbonne. Après, attirée par la haute fonction publique, j'ai voulu donner une composante un peu plus professionnalisante à mon parcours et donc j'ai suivi le Master Affaires publiques qui est co-délivré par la Sorbonne et par l'ENS Ulm. J'ai choisi d'intégrer l'École normale supérieure pour 3 raisons. La première qui est liée à l'excellence de cet établissement. La deuxième parce que cette école offre à ses élèves la possibilité d'être très libres dans leurs projets de recherche. Ça m'a permis de partir vivre en Turquie, d'y apprendre la langue, de vivre des moments assez exceptionnels et d'améliorer ma connaissance des institutions du pays. Et la troisième, enfin, qui est que l'École normale supérieure a pour vocation de former des enseignants-chercheurs, des personnes qui vont travailler pour l'État. Et travailler pour la collectivité a toujours été un moteur qui m'a guidée dans mes choix d'orientation universitaire et aujourd'hui professionnelle. J'ai souhaité rejoindre le parcours K2 car j'avais envie de nourrir ma curiosité en abordant des thématiques que je n'avais pas abordées dans le cadre de mon parcours universitaire et en rencontrant des intervenants au parcours professionnel varié. De façon plus générale, le parcours K2 me permet d'enrichir ma compréhension des enjeux contemporains auxquels est confrontée notre société.